Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Yo, salut à tous les amis, c'est Maxime Lafarge Pokémon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec Miss Vodka Prod. Coucou. L'imitation était nulle. Quoi? C'était nul. Lance une vidéo, tu vas voir. Vas-y. On est avec Miss Jirachi. Coucou. Nul. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ouvrir des cartes, des boosters. Coucou. Oui, tu as peur, tu ne sais pas ce qu'on va ouvrir. Tu connais la chaîne Trash? Évidemment que tu connais la chaîne Trash. Ils ont lancé un jeu de cartes YouTube et j'ai trouvé ça très drôle. Du coup, je leur ai demandé, vous pouvez m'envoyer des cartes parce que j'ai envie de faire une vidéo dessus. Voilà, c'est pas sponsorisé, ils m'ont pas demandé de le faire. Je trouvais juste que c'était une bonne idée de faire des cartes à collectionner sur les YouTubeurs. Du coup, je me suis dit, on va en unboxer en espérant qu'on ait un Enjoy Faucon. Ou un Thibaut Inchap. Un Pamixem. Je sais pas si c'est ça les parodies parce que les YouTubeurs sont parodiés. Attends, il m'a mis un truc, le mec de Trash. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas parler de l'argent? Ne parle pas du chèque, c'est le même ordre que d'habitude, nanana. J'espère que tu auras des cartes brillantes ultra rares. J'imagine que Vodka Prod, c'est pas une carte brillante. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre autre chose, Trash, oui. C'est ça? Rachète-toi une imprimante. Oh my God. Parce que là, les couleurs baves, c'est pas pro. Oh. Une vidéo sponsor, si tu pouvais peut-être critiquer la marque. Franchement, excellent. Voilà. Eh, les couleurs, elles ressortent de plus en plus, j'ai l'impression. Ce n'est pas sponsor, je le rappelle, on est sur une vanne. Hein. On unbox des boosters à la David Lafarge. On a une caméra, comme David, qui nous permet de faire des zooms sur la qualité du produit. Ça s'appelle BattleTube. Tu veux qui comme youtubeur? Pour deux. Merde, j'ai pas bien ouvert. J'aimerais bien avoir Joueur du Grenier. Pourquoi? Je sais pas, il est bien. C'est un bel homme, c'est ouais. Pas gay, hein. C'est plus Ram. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. Donc là, je mets comme ça. Vas-y. D'accord. Et ouais. Je retourne. Andy! Putain, t'as direct une carte brillante! C'est quoi son pouvoir, Andy? Tant qu'elle est sur le terrain, à chaque fois, vous pouvez poser un objet face des... Pff, on s'en fout. Est-ce que c'est genre comme du Magic? Ouais. Excellent. Moi, c'est la question que je voulais savoir. Andy, c'est une carte brillante, mais elle a deux d'attaque, deux de défense. Ce serait pas un peu de la merde, des fois? On serait pas fait arnaquer, là? Bah, en même temps, c'est une femme. Ok, c'est quoi? Non mais monte là, d'abord. Mais je ne veux pas, regarde la lumière! Non mais d'accord, mais regarde la carte, fais ta réaction, et après tu me dis... J'ai eu le rire bleu. Et c'est quoi tag en couple? Tu connais pas les tags en couple? C'est une carte thématique. Mais non, je sais plus comment ça s'appelle. Une attaque. Je vais appeler un pote qui veut Magic. Il va nous dire lui. Enfin s'il est réveillé parce que c'est heure-là. Six and a half hours later. J'ai appelé mon pote à 14h et il dort. C'est un peu comme dans Magic quand t'as une carte qui fait à ce tour-là, toutes les bêtes ont plus de toutes les créatures. Oui. Et bah c'est pas marrant, moi je voulais piocher Enjoy Faucon. Ah bah vas-y, pioche Enjoy Faucon alors. Enjoy Faucon. Non, convention. Une carte convention. Le youtubeur qui fait des conventions. Si j'adore. Mais personne sait qui c'est. Le petit JD. Ah! Moi j'espère que ma carte elle a beaucoup d'attaques. Franchement, je voudrais pas dire, je pense que t'es un 2-2. Moi tu me vois comme un 2-2. Ouais. Et je vois des mecs genre Cyprien ou Squeezie des 3-3. C'est tout! Je me suis spoilé, j'ai vu sur le teaser de Trash que Dr. Seven il a 7-7. Et ça je trouve ça pas cool. Sous prétexte que le gars, sa marque c'est le 7, il aurait plus d'attaques que les autres. Bah alors Diablo X9. Oh le con! Tu vas pas être bien. Une carte brillante? Oh non. Elle est pas brillante. Alors vas-y, devinette. C'est un youtubeur. Il est bien. C'est plus? C'est moins. 3440. Camoulox! Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce que c'est un garçon? Oui. Est-ce qu'il a une bite? Ok. Tu fais dans la high-tech. Jojol. Eh oui. Eh, hey, 3 défenses le bâtard. Vas-y, pose-moi des questions, oui, non. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Pose-moi des questions, je réponds par oui ou pardon. Un garçon. Ouais. Il fait de la high-tech? Non. Fait du gaming? Oui. Il a combien d'abonnés? Moins de 500 000. T'as perdu. Non. Demande-moi des trucs simples, genre, est-ce qu'il sait bien faire la voix de Jean-Marie Le Pen? Je sais, c'est Ganesh. Oui. On est sur un Ganesh, carte pas brillante, avec 6 de défense. 6 de défense, c'est toujours intéressant sur un terrain. J'en ai des biens. Oh. Ah, carte brillante, carte brillante. Enjoy Faucon. On l'a cherché, on l'a eu. 4 de défense, 3 d'attaque. Une des meilleures cartes sur le terrain actuellement. Voilà. Oh putain, j'en ai une pour toi. C'est une attaque et c'est dans les deux sens du terme. Qu'est-ce qui se passe en 2017 début d'année? Ah machin, les dramas. Putain, mais ça peut être trop utile dans les vidéos. Un mec il te parle, là tu fais j'ai la carte drama, ok. Enjoy Faucon. Attaque phare à paupières. C'est un vlogueur. Dans la famille. Putain, mais c'est un vlogueur. Bibix. C'est un vlogueur. Alixem. C'est un vlogueur. Casinesta. Wartech. Oui, Wartech. Pourquoi tu l'as mis à côté d'Enjoy Phoenix? C'est un putain de hasard, moi j'y peux rien. Putain. Ça va, on rigole. C'est tombé bien. Comme ça, voilà, bon. Oh bah tiens, c'est pour toi ça. J'en fais pas souvent, j'en fais une fois toutes les deux vidéos. Bon alors. J'en fais pas plutôt deux par vidéo. Dans quelle vidéo j'en ai fait deux? C'était une blague, Maxime. Moi ça me fait pas rien. J'ai une carte brillante, je suis un youtubeur. Frigiel. Je suis un Tu sais pas. Mais c'est marrant parce que je suis pas youtubeur humour, Frigiel, c'est un youtubeur gaming. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais fait rire, Frigiel. Dire, j'aime bien ce qu'il fait. Tu vois, genre, c'est plutôt Minecraft, voilà, c'est intéressant parce que c'est du talent. Sur Minecraft, j'essaie de m'entendre comme je peux, mais voilà. C'est comme si je te disais, Joueur du Grenier, c'est un putain de blogueur. J'ai vu les vlogueurs du Grenier, c'est chiant. Ils sont excellents, mec. Au Pérou. Je suis un youtubeur humour qui fait rire les gens. Je suis basané. J'aime bien partir aux États-Unis. J'aime le touchy et le rap. Je suis. Non. J'ai une tache de vin poilu.
Mais oui, bordel de merde. Dis-moi carrément Mister V. Bon, elle est magnifique. Basané, c'est bon, il a passé l'étape depuis être basané. Il a fait ses preuves, c'est ça qu'il a fait ses preuves. C'est bon, il est blanc pour nous là. T'es horrible. Tu fais de l'humour, je rappelle, pour ceux qui me connaissent pas. Ça, par contre, ce sera coupé au montage. Ah bon? Non, je déconne. En fait, David Lafarge, je les ouvre comme je viens de l'ouvrir. Comme ça, après, il peut garder le paquet. Et putain, nique ta mère, le paquet de merde. Top! Pierre Cross! Oui. Top! Je fais des vidéos qui offrent de la culture gratuite grâce à un point. Link the Sun? Link the Moon, tu as perdu. Dommage. Ah ouais, donc faut trouver l'arnaque. Échec de rime à la pause, youtubeur, humour, perd -2/-2. Bah, pas Frigel du coup. Ça va, on rigole, on en rajoute pour rigoler. Il n'est pas docteur et pourtant. Ah, c'est docteur. Attends, je cherche le. Docteur, point d'interrogation. C'est putain, nul. Putain, l'opération des yeux là-bas. Eh, mais re... Elle a pas bien marché. C'est moi, coucou. Je suis vraiment ravi de faire des vidéos avec toi, Enjoy. Allez. Attends, vraiment, j'en ai un, il est ouf. Carte brillante. Carte brillante, mais un grand homme dans le milieu. T'as pris gel. Je peux être de bain. Sale. C'était marrant. Je note que pour l'instant on n'a pas eu deux fois le même youtubeur. Et ça c'est beau. Parce que je peux vous dire que les cartes Magic, on tombe toujours sur la même. Ouais, c'était Yu-Gi-Oh! Bon voilà. Des fois j'ai une boxing des cartes, hop, de Pikachu brillant. Puis ça va, deux minutes, c'est bon. C'est un youtubeur, et là je vais poser la petite punchline. C'est un youtubeur qui a fait une vidéo critique des salaires et qui, quand il a réussi à avoir le même, a dit: ah pardon, mais en fait j'avais pas bien expliqué. C'est poisson fertile. Et merde. Mais attention, hein, ce que j'ai dit c'est. Enfin c'est la vérité, mais c'est pas méchant quoi, hein. Attention. Hein. T'es là, tu sens ton poisson fertile, t'as un 6-6, t'es hyper content, et t'as un connard qui arrive avec Doc Seven qui. Tu vois, ça, il y a voir tes qui fait salut tout le monde. Mais grâce à la carte gâteau abonné ou encore tapis rose. On l'appelle dans le milieu le roi de l'OVNI. Ayroche. Putain, t'as trouvé Ayroche. T'as triché. Non, je la vois juste là, Ayroche. PD va. Très très simple, en un mot, c'est le frère. Momo. On n'a pas dit la victime. On a dit le frère. Paracétamol. Pas normal. Oh merde. Voilà. Attends, parce que ça vous tape un peu les couilles. Vas-y, ce sera coupé au montage. Je me suis arraché un poids, je crois. C'est bon ? On peut reprendre le montage. Bon, tu fais quoi là ? C'est vrai que c'est chiant. Je peux pas l'ouvrir proprement. T'as une technique toi ? Oui. C'est en haut déjà. C'est bon ! Tu vas voir ce qu'il y a dedans, t'as déjà vu ? Putain, j'ai encore les vieilles cartes de merde là. Non. Bah non. Dans mes vidéos, tu viens me faire chier, bah moi maintenant j'ai ouais. J'ai 55 ans, je suis un des plus vieux youtubeurs de l'internet. Je suis des fois marrant et des fois pas du tout. Un pranker des années 90, 80. J'ai 102 ans, je suis un monument YouTube. Rémi Gaillard. Ouais. J'aime c'est faire des FAQ marrantes à base de tweets. Ah, les clichés de Jigme. C'est un oui. Et à un moment, j'ai d'abord entendu que c'était celui qui est musclé, je voulais dire, je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais bien sûr, Avner. Et sa vidéo sur Mozart en triple valide. Voilà. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message pour le féliciter. Je lui ai dit, putain, la prod, ça lui était un enfer. Et il m'a dit, non, je trouve un cheval et un château, on l'a fait en deux. Quel connard. Pourquoi tu l'as pas mis, lui ? Je connais même pas. Non, mais attends, mais si, Ah, d'accord. Quoi ? J'ai créé un jeu de cartes à mon propre nom. Oh, l'autre, les prétentieux, trash. Eh, 10-10, le gars. 10-10, allez, ah, les enculés. J'ai un fameux 3 mâts. ICO. L'un des membres d'un groupe des plus connus. La vie tour, le gars. Terracide. Oui. Terracide. Ah, horreur qu'on compare son pseudo à ça. C'est-à-dire que le peu de fois où je lui ai demandé ton pseudo il vient d'où, c'est Terracide, lol. Il m'a dit mais non, putain. T'as un mec qui fait des vidéos, on sent qu'il y a de la passion derrière. Genre le mec il pourrait péter dans une casserole, tu dirais putain c'est un génie. Tu vois ou pas? Merde. Genre il tue quelqu'un avec une banane. Après il faisait des bruitages et ça faisait la vidéo de l'année. Il a deux chiens. Quoi? Jérôme Jarre. Rien à voir. Voilà, un petit indice, il est en couple avec une youtubeuse très célèbre. Non mais là je l'ai pas. T'as un mec qui fume de la salade. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. C'est un rappeur avec du talent. Je suis un rappeur avec du talent. Je le connais au moins. Par contre, si tu pouvais te caresser dans le micro, ça arrangerait tout. Je suis pas bien là. Oh putain. Il a pas de manteau. C'est que Marc. Il a pas de manteau. Pour l'instant, on a pas eu Diablo X9, on a pas eu Squeezie, on a pas eu Snorman, on a pas eu Cyprien, on a pas eu Vodka Pro, on a pas eu moi. Je crois que je suis pas dedans, moi. Ça m'étonnerait pas, hein. Je suis un droit d'auteur claimé par une entreprise de musique sur ta chaîne et du coup, ça fait. Mal. Ça fait mal. Un copyright. Attends, si t'es pas brillant, est-ce que tu vas mal le prendre ? Si je suis pas brillant, j'espère que Dany est. C'est ce que je vais dire. Dany est au courant, que Dany est toujours brillant.
On parle d'un homme qui met son petit frère en slip dans sa douche qui fait attention prank. Mais tu t'y attendais pas. Mais comment ça c'est que tu prends ta douche en slip et qu'il y a 30 caméras autour de toi. Game X13 12 chat. Bah voilà, c'est une carte qui s'appelle douche chat. La femme parfaite. Une femme parfaite sur YouTube. Humour, physique, tout est là. C'est Natou, c'est une carte brillante Natou. Oui. Tu connais pas Nota Bene. Et tu connais pas Dirty Biology. Non. Tu viens de passer à côté de deux chaînes intelligentes sur YouTube. Toi t'es vraiment le mec à regarder des bananes que marre quoi. C'est vraiment un débile quoi. Attends, j'en ai deux à faire découvrir okay. Mon gars. Alors là, j'en ai un mon gars. Ok, c'est bon, vas-y. Sa femme dit souvent coucou. David la carte. David la carte, c'est excellent. Qui apparemment n'aurait pas pris le chèque. Ah, Sifano, putain de merde. Sifano. Qu'est-ce Sifano, gros bâtard. Je suis présent entre Momo et entre GameX13. Je suis également présent sur la chaîne Nous. Je suis présent sur... C'est un prank. Alors là, tu m'as bien eu. Ok. Salut. On a une carte qui permet de faire beaucoup d'abonnés. Un peu comme ce qui va se passer aujourd'hui. Le putaclic, les dégustations, les unbeux. En une phrase, tu vas trouver direct. N'a aucune morale. N'est pas acteur, mais plutôt réalisateur du projet. Et derrière la caméra. Quoi? Ah. Moi, j'en parle pas. Moi, j'en parle ouvertement et j'ai du mal avec ça. Je veux bien qu'on filme ses enfants une fois de temps en temps, mais tous les jours, il y a un problème. Je dis très fréquemment sur ma chaîne, c'est le... Le putaclic, le putaclic. Vous n'oublierez jamais ce qui va se passer. Oh mon dieu, j'ai failli mourir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe à la vidéo? Découvrez ce que cet homme a fait, les pires. Bah non, ça va. La crème de la crème. El mucho bueno de Kellor. Le meilleur de la chaleur, mais... Est-ce que tu peux pas regarder? Je vais la montrer avant aux gens. Je ne regarde pas. Oui. Waouh! C'est un homme! Son pseudo finit par Sum dans la parodie. Il est pas si grand. Il a un t-shirt de bleu et rouge. Amix Sum. C'est pas une carte brillante, on arrête la vidéo, on ne la publie pas. Toi, elle est pas brillante, moi, elle existe même pas. Alors, comme ça, super, merci. Franchement, il y a intérêt que cette carte elle existe après. J'en ai un qu'il va falloir que tu découvres par toi-même. Norman. Non. Norman? Non. J'ai moins de 15 ans et je fais des vidéos où on comprend pas trop l'intérêt, mais je l'ai fait. Il se passe pas grand chose. Mais... Maono? Non, par exemple, je range ma chambre ou la musique du moment. Panda Mocha? Oui. J'ai trois youtubeurs pour toi. La première est une femme qui a un nom extrêmement imprononçable. La première est une femme imprononçable? La première est une femme avec un nom imprononçable. Vous ne connaissez pas du tout en fait, donc du coup, c'est ma cupcake. Okay. Non, c'est pas lui, putain! Emma Kepcuk? Kepcute? Emma. Ok, alors là, j'en ai un qui a chanté. Ah, mon Pokémon, putain! C'est un mec qui va sous la mer et il dit bonjour aux animaux. Waouh. Salam les raies. TK? Non. Tu sais qui j'ai? Non. Tu sais pas? Non. J'ai Cyprien, mon gars. Eh oui, monsieur. Un brillon de brillon, Cyprien. Le bâtard. Putain, t'as Cyprien, gros fils. Je suis une youtubeuse. Ex-petite amie d'un youtubeur connu. Chelsea. Attends, il y a Chelsea, il y a pas moi. Non, mais nique ton mère, crash. Je suis un youtubeur scientifique, j'effectue couramment des petits podcasts science également. Je suis copain avec Antoine Daniel, j'ai déjà participé à une vidéo sur Mathieu Sommet sur le terrorisme, c'était très intéressant. Je suis chauve, je suis vieux. Ah oui, je sais, mais je sais pas comment. Y penser, mais oui, voilà. Putain, la culture du... Il suffisait d'y penser. Oh là là, ils sont deux, ils ont la banane. C'est bon, studio. On l'a déjà eu. On a eu Terracine, on l'a eu en question. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, alors voilà, ça c'est du Maxime tout craché. On a déjà eu, putain, bah oui, non, c'est vrai. Oh mon dieu, j'ai une carte ultra rare, Valentin. Devine le nombre de défenses que j'ai. 15. Plus. J'ai une carte ultra rare, fils de pute. Combien de défenses? 30. Oui, combien d'attaques? 30. Bah non, 10. J'ai trash. Tu sais qui j'ai? Markiplier. Ouf, sale. Donc il met des tueurs américains parce qu'il y a pas assez de français, c'est ça? Ah, et moi du coup on met pas dedans. Super, bravo. Encore un enjeu. Ah la. Je suis un homme numéro 1. Non, quel connard. Squeezie, j'ai le duo Cyprien Gaming. Pas le plus, c'est tout, y'a pas besoin de savoir. J'ai même Didi Chambouiboui. Il me reste un paquet. Il me reste un paquet. Ah non.
Ah, la pu. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, maintenant que nous avons trié nos cartes, nous allons procéder aux échanges. Valentin, veuillez vous placer sur l'endroit des échanges. Juste l'endroit des échanges, je ne vois pas l'intérêt d'échanger puisque j'ai... Alors, déjà, est-ce que tu as joueur du grenier? Tu le voulais. Alors, joueur du grenier, je te l'échange contre Marquis Player. C'est un bon deal, c'est bon? C'est une brillante? C'est une carte brillante. T'es fan, hein? Non, pas à ce point-là. Si, t'es fan. Non, attends. Regardez ce marchand de tapis, regardez. Attends, ouais, c'est bon là. Ah merde, tu fais de fil. Ouais, si, c'est bon. Non. Tu veux pas la trash? Non, je veux la joie du grenier. Très bien. Est-ce que tu connais trash? 10-30. Non, mais attends, ce serait bien beau de sortir Norman Cyprion pendant une compète. Mais ça, les gens s'en bat les couilles, hein. Peut-être que c'est Doc Seven qui est au-dessus d'Enjoy Faucon. Alors que tu préfères Enjoy Faucon dans la vraie vie. D'un point de vue stratégie. Peur de ce qui m'arrive. D'un point de vue stratégique, moi, je t'échange. Moi, je veux tous les collectionner, tous les avoir. Du coup, je m'en fous de ton trash. Et toi, t'es là? Cyprien, c'est le seul américain. Numéro 1 en France. Squeezie, numéro 2 en France. Nutty Tuff, numéro 447 en France. Trash Marquis Player contre Squeezie Cyprien. Non. Il a réfléchi. Un Amix Sum. J'en ai 3. Elle est fraîche, Andy. J'en ai 2. Asiatomique, on a tous 13. T'as un mec qui approche, je viens. Mais ça, non, hein, bah voilà. Bande de gamins. Une dernière transaction, parce qu'après, on peut rapidement se faire chier aussi. Ça commence, je vais être chiant. J'ai Sullivan Gwen. Ça se monnaie. GameX 13. Ça se monnaie. Terracide, j'en veux pas. Je suis sûr, les gars de la vidéo, il vénère. Non, bah à la base, toutes les cartes étaient pour toi, Maxime. Donc, comme les restos du cœur. T'as des super connards. Mon deck. Non, je déconne. Bon, t'as clairement gagné, on va pas se leurrer. Mesdames et messieurs, c'était une vidéo unboxing de cartes YouTuber. J'espère que ça vous a fait rire. Et franchement, je me suis senti un peu David Lafarge, mais c'est marrant. Mais sauf que c'était YouTuber. David la carte, coucou. Encore une fois, c'était dénué de toute intention malsaine marketing. Non, voilà. Coup, ouais, parce que vu comment on trash, t'as compris. Voilà, ouais, vu comment on trash. D'accord, j'ai compris, ouais, carrément. S'il y a des youtubeurs qui sont sentis visés à travers les choses qu'on a dites sur les cartes, sachez que c'était tout à fait vrai. Et achetez-vous un peu d'humour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup vos capres de l'avoir assisté. Abonnez-vous à ma chaîne. C'était Amixem. Salut. Au revoir. Et merci Trash de m'avoir envoyé les cartes, ça fait plaisir. Et merci à Cyril d'avoir participé. Là, par exemple, je m'en vais couper.